close entre les deux. C'est cool. Très très bon start. On est bien là. On est très très bien là. Bah ça c'est pas ouf, mais en vrai lui il est vraiment tellement bien boosté. Donc c'est très très bon. Très très bon start. J'aime trop ce Nergosa, cool d'avoir un peu. J'aime encore bien, moi je trouve qu'elle est, elle est pas mal sous-estimée. Sous-estimée non, parce que c'est pas un bon héros non plus, mais elle est probablement quand même... je sais pas comment dire ça. Elle est pas éclatée en tout cas, c'est ça que je veux dire. C'est surtout ça. Ouais, j'avoue que s'il y a un petit discolaire qui se pointe, ce serait parfait. Pourquoi pas, ça fait une paire, pourquoi pas. Ah, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Pourquoi pas. Ça joue comment si Nargosa, il faut freeze les 4 premiers tours. Ça dépend. Mais en général, tu vas freeze, oui, oui, quasiment tous les premiers tours. Mais sinon, ah, merde. Je regarderai après, attends. J'essaie de l'ouvrir rapidement, on espère que ça plante pas. Mais merci. Ah, je peux le voir, merci Pantouze. J'adore tes streams, tu es le meilleur à mes yeux, ça va te rendre. Bisous, merci frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Et là. J'ai oublié de changer le placement. Ah, enfoiré avec ton nom, j'ai pas changé. Merci frérot. Bon, ça n'a rien changé, il tape en premier. Donc, enfin si j'avais mis à gauche, officiellement si, mais dans les faits non. Après, il fallait le faire parce que j'aurais pu moi taper en premier. Que c'est... Eh oui, je remercie le don quand même. Je prends les deux et je freeze. J'attends encore un peu pour lui. Juste prends les deux plus forts, je pense. Bon, je dois pas réfléchir autrement là. Il y a peut-être un monde où le dragon se pique pas. Ah, il a up. Salut Yopmana. Salut à toi. Il est taverne A, ce salaud. Ouh le salaud, il est taverne A. Ouh le salaud. Merci Grazinoob. Merci pour les 17 mois frérot. Ah, c'est vraiment dommage que les deux qui sont pointés après soient un petit peu en dessous, surtout lui en vrai. Hein. Genre là, il y a que des tavernes A depuis tout à l'heure, donc... Ça me régale pas trop. Je pense que je vais prendre les deux et je vais pas freeze. Je vais voir si je peux pas avoir un rejeton ou un truc comme ça qui est cool à côté. Je vais pas freeze là. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Après c'est ok, on est fort, hein, mais... Il est A donc il peut me baiser. Level up vers quel tour avec Nargosa? 67 gold. Comme d'hab. Ouais, 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 mais lui il triche. Lui il triche vu qu'il up pas. C'est un tricheur. Oh là là là, ça se met tellement mal. Ouais, ça va, on prend moins 2 quoi. Vendre la 2 up pour roll une fois, ça s'envisage. Non, c'est très mauvais. Vouloir roll en début de partie, c'est souvent. Je pense que c'est une des erreurs les plus fréquentes à bas MMR, j'imagine. MMR, c'est... MMR moi. Roll 3, surtout à bas MMR, c'est pas bon du tout. On va prendre la tasse, ça va booster un démon, un dragon et un murloc. Probablement mieux que lui du coup, pour le moment en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai encore mis quelque chose?
Faut up quel level en priorité? J'ai pas compris. Faut up quel level? Quel tour? En général, tu up sur les 7 gold et les 9 gold pour la taverne 3 et 4. Après, ça dépend. Il faut pas qu'on le perde celui-là. Ok, nice. Là, ça a failli égalité, ça tape à droite. Cherche quoi là? Il y a beaucoup de trucs. Bah déjà dans les démons là c'est cool, la sac 4, le jongleur serait cool, le gardien c'est toujours bien. Ou gardien. Il y a pas mal de cartes. On va déjà pick ça. Surtout que lui il est insane avec eux deux. Lui a triplé bien sûr. Jongleur. Recto. C'est pas mal ça. On vend ça. On vend ça. Tac, tac, des gold de côté. Ok, j'aime bien. J'aime beaucoup. Château, on peut up. On peut roll. On peut vendre et genre vendre lui et acheter 2 tavernes 4 par exemple. 15 euros dans le vent. Je regarde après, désolé s'il y a eu un don. J'avoue que pendant les games comme ça, j'essaie déjà de lire le chat, mais c'est chaud. Alors, si en plus il y a des dons et tout, il faut que j'aille sur le stream là pour que je me connecte. Sorry frérot, je vais regarder. Mais t'as bien vu, genre, avec regarder le truc tout à l'heure, j'ai fait une erreur, j'ai pas bien positionné contre Rafam. Je ne peux pas tout faire, les gars, malheureusement. Genre là, même si je fais pas World Fight, je perds des infos sur ce qu'il joue, donc c'est quand même chiant. Désolé bro, merci pour tous, merci beaucoup. Je ne t'apporte plus, merci à toi. Il jouait quoi du coup? Ouais, ok. Plié. Ah, je prends moi 6, fait chier. Alors, on va pas refaire l'armée des pères là quand même, t'ouvres pas de ma gueule le jeu. Allez, donne-moi un bon truc. Allez, allez. Allez, allez. Il y a le jongleur. Il est ok. Faut quand même que je mette les rejetons avant hein, pour eux. Ouais. Okay. Merci Zoctarine pour tes 17 mois, merci du soutien. Faut que j'arrive à tripler pour libérer de l'espace, hein. C'est trop chiant si j'arrive pas à tripler. Après c'est censé être triple facile quand même, ça t'a un A qui est pas beaucoup pick. Rejeton est beaucoup pick, mais bon. Ça reste à t'as 22. Aïe aïe aïe, Villa Maiev. Allez, on y croit. Ça c'est value, ça c'est cool aussi. Ça c'est terrible. Ça le fait, je pense. Yep. Hop. Petit 30x3, on prend. Hein. Gérald conteste, oui mais il y en a 16 dans le pool, même s'il en a un ou adoré, genre il y en a masse. Il y en a masse de dispo. Elle est trop forte avec le gardien de bronze. Les démons c'est cool. Faut que je triple je pense. Je pense, je prends ça, je roll, il faut que j'arrive à tripler. Peut-être je vais devoir tège lui mais. Ah! Ok, mais je vais quand même essayer de tripler là. J'ai 3 doubles maintenant.
Sans déconner quoi. J'avoue qu'il n'y a pas assez de. Il y a pas assez de démonte à 25. Hein. Ah, je suis vraiment pas chanceux quoi. What the fuck. Oh, le T-Scolaire Gator, mais j'ai 3 paires, frérot, je peux pas. 3 paires, frérot. Bien sûr que T-Scolaire ça aurait été bien, mais pas avec 3 paires. Faut que je triple là, au bout d'un moment. Ouais, c'est ça, là, il y avait Vyford, il y avait les démons, et tout bien, il y en avait masse. Hein. Allez, faut tripler. Je peux pas, je peux pas. Oh. Quel enfer. Non, faut que j'essaie de tripler. Faut vraiment que j'essaie de tripler. Ça fait trop bien avec elle, mais là, on joue démon et à la fois, on joue l'autre, quoi. Vraiment, je dois laisser tomber les deux jongleurs, hein. Et jouer hybride. Probablement. Probablement. Je vais comme ça pour éviter d'avoir le boss par au-dessus. J'évite comme ça que ça booste l'autre. Allez, oust! Villa! Merci pour tout, merci à toi. C'est trop frustrant, genre de game où tu joues une compo, tu dois re-switch et le jeu te propose un autre truc. Le truc c'est que je peux pas, j'ai pas de, je peux pas avoir d'hydre. Mecha il me fout l'ennuyo. Ouais. Ah nice, on va chercher à 6. Du coup en 6, l'Amalgadon serait godlike. Amalgadon serait godlike et après bateau ou autre. Mais de toute façon, il faut que je prenne un 6. Hein. Reaper serait intéressant quand même avec elle. Avec elle, en vrai, Reaper serait vraiment intéressant parce que si le Reaper touche le boost, c'est incroyable. Ouf. Le jeu a dit ce ne sera pas une game facile. J'ai bien compris. Je sais pas si jouait des jongleurs lui. Le truc c'est que jouer Zap alors qu'il n'y a pas de bête c'est chiant. Parce qu'il n'y a pas de mama à... Genre Zap c'est trop bien contre bête. Il n'y a pas de bête dans la game. Je suis pas sûr qu'il a des jongleurs, c'est que 3 démons je pense pas. Genre ça prend Kangor, parce qu'une fois qu'on aura taunté lui, il sera cool. Kangora. Kangora. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Là, ça c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. De toute façon, il faut que ça tombe sur les trucs faibles hein, parce que c'est vrai que ça aille sur les ceux qui ont déjà beaucoup d'attaques. Ça c'est vraiment cool. Enfin,
pas le meilleur hit, mais du coup on va gagner grâce à ça, je pense. Hein. Là, on récupère l'œuf et une 8-8. Non, une A. La 8-8 est pas morte. Ok. Ça me va, l'égalité me va. Hein. Rifan droppé. Rifan est très intéressant, oui. Oui. Je pense pas que je prends pirate maintenant. Je pense qu'on reste avec E3 pour un moment. Et ouais, je peux essayer de prendre ça pour tripler pour l'amalgadon dans la foulée quand même. L'amalgadon serait vraiment cool. Il y a Valifante qui m'intéresse tout à fait. Il y a du taunt que j'ai, dont j'ai besoin. Ça va être trop long, hein, trop long et pas assez puissant à booster. Plutôt c'était une bonne carte avec elle là ça plus tard. C'est cool. Il avait rien de bien, j'accès pour moi. Hein. Non, pas trop. Pareil, c'est pas assez bon. Ça paraît ok, mais ça l'est pas vraiment. Hein. En vrai, j'ai juste posé ça et roll. Hein. Ça, j'ai envie de le garder. Et au moins, lui, il prend pas de boost par rapport à ça. Un choix tactique intéressant. Je sens que je me fais bait. Je sens que je suis en train de moto bait là. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Mais j'ai envie d'avoir un giga œuf et un giga gardien à la limite. Je sais pas. Je pense que je me fais bait. Zéro bait fonce dedans. L'important ce sera un ennui au module. Ennui au module va y fendre, mais là si on part sur. Moi ce Chris Brand ça devient compliqué niveau place. Mais peut-être que je prends pas le Brand et que je joue juste avec Massacreuse. Hein. Brand ça demande trop de slots après. Bran, ça demande trop de slots. Hein. Je dois jouer Bran plus de slots qui boostent. Donc Bran, ça peut remplacer genre ça, mais l'autre slot, c'est quoi qui bouge? C'est trop chiant. Donc, je pense que Bran, c'est du bait. On booste que 3, mais bon. Hein. Enfin, ça booste bien, quoi. Puis on peut le tripler. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ouais, la 3-6 peut bouger, mais derrière, ça veut dire qu'une fois que je rentre la massacreuse, bah il manque encore un nouveau slot. Donc ça veut dire que Bran est là, le boost est là, et massacreuse remplace là, et après Bran, je vais le jeter au tour d'après. Donc c'est trop naze, ça le problème. C'est que sur un tour, c'est ok, mais pas sur 2 ou 3 ou plus. Pas tant que j'ai pas triplé ça, ou... Ouais, bah voilà quoi. C'est chaud. Oup. C'est dommage que je trouve pas de taunt depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il arrive trop tard? Peut-être. Maybe, maybe not. Oui, rejetons, on va finir par bouger, oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Après, dans tous les cas, je joue avec 3 quoi. Ok, contre lui il faut une goal là. Contre lui il faut vraiment une goal, c'est noté. Il faut vraiment que l'œuf meure avant, autrement je vais être trop perdant là. Il faut qu'il tape dans l'œuf. Tape dans l'œuf s'il te plaît. Tape dans l'œuf mon grand. Tape à gauche. Tape à gauche, une chance sur deux. À gauche. Ça ramène que l'œuf mais. Je pense que c'est suffisant. Ah bah, de moins que je sors pas, je suis content. Hein. Ouf.
Ah non, le kangourou pue du cul. Après, maintenant que l'offre est tauntée, il pue pas quoi. Il pue beaucoup moins. Demon, demon. C'est cool que j'aille tounter ça. Bon. Bon ça du coup. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Je vais prendre un pirate pour finir quand même le tour. Il manquera, non? Ça c'est sûr. Ouais, si je peux. La chance est de mon côté. J'ai pas envie de prendre Bran à la place de ça. On est devant. Légèrement. J'ai mis E après parce que comme j'ai dit, je veux que ce soit les plus faibles qui récupèrent potentiellement les boss. Donc il faut que je les mette après de façon l'autre. Je cherche à Vaillefendre. Vaillefendre, tripler l'autre. C'est bizarre cette game. Là je cherche Vaillefendre, l'œuf doré serait insane. La massacreuse, le gardien doré évidemment. Allez, une autre paire. Notre paire qui est aux cieux. Ok. Vaillefendre ici, ça me plairait beaucoup. Enfin, beaucoup oui et non, parce que j'ai plus le rejeton en vrai. Ça a été pour ça quoi, mais elle peut reboost le même, donc ça c'est vraiment chiant en fait. C'est quand même moins sexy. Ouais, ouais, c'est plus si bien, ouais. Il y a un problème de double ce soir, oui. Oui, oui. Il y a trop de double. Pas de faux. Oh, je touche à rien. Ah, il va avoir un bouclier diva, faut que je mette un truc devant. Je vais jouer contre A bouclier diva, je vais pas mettre les deux parce que encore une fois j'ai envie de booster les autres là. Les A, 2 et 3. Parfait, il a quoi tout. Parfait, parfait. Allez les petites, boost les petites. Il y a une petite qui est boostée, ça me va. 45 d'attaque. Quel crack! Le fort bon 45 d'attaque. Ah, je te dis, il cogne lui. Lui, il cogne. Lui. Lui, c'est vraiment. Il a l'air de rien. Mais quand il s'y met, il sait se battre. Ah, il sait se battre. Il a fait des années de d'arts martiaux, lui. Pourquoi ne pas changer de pirate? Que j'avais pas mieux. Entre guillemets. Je voulais roll pour essayer de trouver mes triples et que les autres changements que j'aurais pu faire étaient trop mineurs à mon goût. C'est lui qui jouait full bouclier divin.
faut une goal contre lui. On va quand même tripler ça. C'est chiant que je joue avec des boucliers divins, mais bon, ça changerait que. Il va me falloir une goal. Je vais plus prendre Reaper, hein, mais je roll à fond pour la goal. Parce qu'il avait vraiment trop de boucliers divins. Aïe aïe aïe! On s'est fait berner. Je relève la 3-6, je pense pas. Les plantes peuvent seulement aider, il y en a combien? Ah mais le problème c'est qu'il va pas se faire focus. Oh, yo, 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 yo. Tellement chiant. Il n'y a pas de Reaper, mais bon. 50-50. Soit je gagne, soit je gagne pas. Non, ça c'est pas bon ça. Là c'est cool. Pas mal, mais ça va jouer aux plantes là. Oh, ça c'est parfait ça. Ça c'est horrible. Aïe 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 aïe. Non. Non, 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 pas comme ça. Ah, cette petite goule qui n'a pas voulu venir. Est-ce que j'aurais dû prendre le Reaper en vrai? Peut-être que j'aurais quand même dû prendre le Reaper honnêtement. Alors, j'ai tellement de rôle pour la goule. Le truc c'est que dans ma tête j'allais forcément rechercher la goal, tu vois, donc peut-être que j'aurais pu prendre Reaper au cas où je trouvais pas la goal.